Est-ce que vous estimez que ce devoir ou ce droit d'ingérence est quelque chose que les Occidentaux s'attribuent à tort? Est-ce qu'ils ont le droit de s'ingérer dans les affaires d'un autre pays? Non, il est évident qu'on ne peut pas laisser, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où tout le monde se bat pour la démocratie, on ne peut pas laisser un dirigeant massacrer ses populations. Mm-hmm. Mais quand ça se passe en Afrique, il est de la responsabilité des chefs d'État africains. Je disais aux autorités françaises que nous envoyons des troupes en Somalie, nous envoyons des troupes au Soudan, mais nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas d'hélicoptère, nous n'avons pas de moyens matériels. Que plutôt d'intervenir, il faut donner les moyens militaires à l'Afrique. Nous avons créé un commandement qui est dirigé par l'ancien président du Soudan, Sekouba Konaté. Mmh. Les troupes sont prépositionnées et prêtes à intervenir, mais il faut donner les moyens à l'Afrique, les moyens militaires, puisque nous avons des moyens humains, il faut donner à l'Afrique les moyens militaires pour que nous puissions nous-mêmes résoudre notre conflit. Si il faut le faire par la force, alors il revient à l'Afrique de le faire par la force, parce qu'on ne peut pas accepter, par principe, quand on est un démocrate, qu'un peuple soit massacré par son président.